Hello, ici Philippe Fabignon, le producteur TV, celui qui aime te raconter des histoires. Écoute, aujourd'hui c'est très simple, on va partir sur une phrase qui est de savoir que celui qui a l'échec dans sa tête, celui qui est saturé par l'échec et qui ne pense qu'à ses résultats qu'il n'a pas réussi, n'accomplira rien, il n'avancera pas, il ne produira pas. C'est clair et net. Effectivement, je vais te parler d'une personne que j'ai connue et son histoire, elle est significative. Nathalie, à 14 ans, elle était, mais c'était, tu sais, les petites Lolita mannequins. Et elle se disait qu'elle pouvait faire quelque chose et elle voyait sa carrière là-dedans, dans le mannequinat. Sa famille, elle, c'était une famille qui était... Bon, bah, du terroir, campagne, je respecte complètement si tu veux, mais c'était d'un environnement complètement différent. Et elle voulait sortir de là, elle voulait leur faire plaisir, elle voulait les rendre fiers en allant effectivement dans ces milieux qui sont le mannequinat, qui sont... Ah, on est plutôt dans le mondain si tu veux, complètement différent. Et ses parents, eux, on va pas, c'était des gens ruraux, on va dire. Et elle les persuade, elle se décide d'aller faire un casting contre leur avis parce que eux ils se disent non, on va pas aller dans ce milieu-là, on n'en a rien à faire. Mais ils décident d'accompagner leur fille en freinant, tu vois, des pieds, en disant mais non, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, ça sert à rien. Mais elle dit si, je veux essayer. Elle essaye. Et elle... Comment te dire? Elle échoue lamentablement. Mais ça arrive. Mais elle échoue, disons-le. Elle est complètement dépitée, elle est déçue à fond, bah, comme les castings de mannequins, tant très peu d'appelés, très peu d'élus pour beaucoup d'appelés, si tu veux. Et ses parents, sa famille lui disent, bah voilà, parce que avec l'amour que sa famille lui portait, ils lui disent, bah tu vois, t'as voulu aller là-bas, regarde maintenant ce que ça t'a créé, t'es en train de pleurer, t'es pas bien, t'es... Et ils ont appuyé, si tu veux, par amour, en lui disant, s'il te plaît, ton ambition, ne laisse pas ton ambition te faire mal, te faire du mal. Et elle les a crus. Ça lui avait fait tellement mal de ne pas être prise dans ce casting que elle s'est mise en tête que chaque fois qu'elle avait une ambition, ça pouvait être assimilé à de l'échec. Donc, pour couper ça, déjà, ne serait-ce que par rapport... à sa beauté, à son côté svelte, elle s'est mise à faire quoi? Elle s'est mise à bouffer et encore à bouffer. Comme ça, s'il y avait l'ambition dans sa tête de vouloir être mannequin, quand elle se représentait devant la glace, cette ambition était brisée. Voilà. Il n'y avait pas d'ambition, c'était, on n'en parlait plus. Et elle a décidé d'être ce qu'on appelle normal. Comme sa famille, normal, comme la stabilité qu'on lui montrait, c'est voilà une vie qui est une espèce de fil, une espèce de ligne droite qui, je ne la critique pas, si les gens arrivent à s'en satisfaire, c'est très bien. Mais elle avait cette lumière, si tu veux, en elle. Et tu peux à un moment donné avoir toute l'enveloppe, tu peux te mettre la cuirasse, la carapace que tu veux, si tu veux. Si à un moment donné tu as cette lumière qui pousse, c'est comme une personne derrière la porte qui tape, bam, bam, je veux sortir, libérez-moi, bam, tu vois. Ouais, mais non, tu fais tout pour la contenir. Non, parce qu'à chaque fois que tu sors, je parle de l'ambition ou des rêves, chaque fois que tu sors, elle l'assimilait à cet échec qu'elle avait connu lors de son casting. Donc, autant rester normal. Sauf que le temps est passé et... Le temps, il passe. 5, 10, 15, le nombre de temps que tu veux. À un moment donné, après ça, la personne qui frappe, cette fameuse ambition qui tape, soit là, soit des fois dans la tête, tu dois la ressentir toi aussi. Cette lumière, cette personne qui dit hey, « Vas-y, viens !» Tu sens qu'il y a quelque chose qui te pousse à aller au moins essayer, si tu veux, de rendre une idée réalisable, une idée concrète. Et elle disait non. Mais sauf qu'à un moment donné, la porte, si tu ne l'ouvres pas, bah ça se casse, ça brise en tout cas. Et c'est ce qu'on appelle généralement des burn-out, c'est ce qu'on appelle des crises de la quarantaine, c'est ce qu'on appelle une dépression, plein de choses qui font que tu n'écoutes pas ce qu'il y a au fond de toi, tu décides d'aller à l'encontre, et à un moment donné, tu rencontres cet état qui est le plus bas et le plus mauvais possible.
Et j'ai rencontré un jour Nathalie et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, d'accord, tu veux plus être mannequin, d'accord, mais t'as eu d'autres ambitions. Elle voulait ouvrir un restaurant, elle voulait faire ci, mais chaque fois qu'elle faisait quelque chose, déjà, elle avait pris l'habitude, le réflexe de se goinfrer, de manger. Ce sont des réflexes conditionnés, si vous voulez. Et en même temps, de se contenir et d'être encore plus malheureuse. Et un jour, je lui ai dit, Nathalie, laisse sortir l'oiseau. Moi, je lui avais dit l'oiseau. Et en discutant avec elle, oui, effectivement, j'ai bien compris que c'était les ambitions, c'était une lumière, que certains diraient, ou elle appelait ça le bonhomme qui frappe. Eh ouais, cette ambition qui poussait. Eh ouais, bah, laisse-la sortir, cette ambition. Laisse-la sortir. Fais. Tu vas te tromper, bah, tu reprendras, tu referas. L'échec, oui, ça fait mal. Oui, parfois, c'est pas confortable. Mais tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes et tu réussis un jour. Donc, je lui ai dit, Nathalie, laisse sortir. Laisse sortir. Et je suis hyper heureux parce qu'aujourd'hui, elle a décidé, bon, c'est son petit business, elle est contente, tu vois, mais elle a voulu ouvrir, être marchand de fleurs, un fleuriste. Et elle a décidé de le faire, si tu veux. Et elle l'a fait. Et elle est heureuse. Voilà. Une idée, une envie, une ambition que tu as, et de laisser court, d'aller au bout de ça. Et de pas te restreindre, si tu veux, parce que t'as connu l'échec et que t'assimiles une ambition, échec, égale déception, tristesse. Ok. Mais c'est pas que ça. Ça peut être derrière tout ça. C'est beau. C'est formidable ce qu'il peut y avoir. Donc voilà. Si toi, de ton côté, cette histoire de Nathalie t'a inspiré, tu peux la partager. Si toi, de ton côté aussi, tu connais cet échec qui t'a fait du mal et pour lequel tu as du mal à te séparer, si tu veux, bon, cette idée de cet échec, tu peux l'écrire aussi. Ou parfois, si tu as réussi à t'en séparer, explique-nous comment. Voilà. Moi, je vais te dire tout de suite, c'est en recommençant, en étant dans l'action. Mais si tu as d'autres façons, dis-le. Voilà. Des échecs, j'en ai connus. On en connaîtra. Il y en a même qui disent que ça fait du bien de connaître l'échec. Il faut. Pour un grand champion, il faut avoir de l'échec. Il faut que le champion tombe à un moment donné au tapis et qu'il revienne plus tard et qu'il reste pas sur des acquis. Qui se dit, je vais continuer à réapprendre. Donc voilà, laisse-moi un commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu. Appuie sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et surtout, abonne-toi pour qu'on fasse cette communauté qui va dans un même sens. Et c'est celui de la réussite. Yes, papa.